Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui pour la suite des aventures de Retour vers le futon, Back to Futon, en anglais bien sûr. Donc j'ai fait une première partie de l'aventure du DLC sur la chaîne de RPG Solus, lien en description, petite fiche à l'instant si je n'oublie pas, j'oublierai pas. Et donc du coup, n'hésitez pas à aller les voir, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne pour les soutenir. Bah, vous abonner à la mienne bien sûr, c'est toujours gratuit. Alors ce DLC, pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense pour faire un petit backup? On a vraiment joué peut-être 4-5 heures déjà au DLC. Il a l'air long, mais pas trop. En gros, pour vous résumer, on se retrouve... Il y a eu une perturbation temporelle, et on se retrouve tout simplement accompagné de l'agent X pour retourner dans le donjon. C'est pas le même donjon que vous connaissez, c'est le donjon à sa construction. Donc, mini quête de jardinerie qu'on s'est faite, on a profité pour tout simplement débloquer quelques nouvelles compétences aussi, parce qu'il y a eu des nouvelles compétences qui ont été débloquées dans l'arbre, donc ça c'est plutôt cool. Je crois que voilà, par exemple, on peut vous montrer les compétences, ça c'est plutôt cool. Ce qui est bien, c'est que là je peux vous faire un gameplay de 5 heures, on s'en fout. Alors attendez, anticipation de Loubet, non c'est nul. Ouais, pas fou. Là, il faut que ce soit un effet d'état. Donc ça, c'est chiant. Ça peut être pas mal, 80% de dégâts. Même non, le tour 10, c'est pas mal en soi. Ça, j'utilise tellement jamais. En fait. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le coup de bouclier pour le CC. C'est vachement plus que on peut faire ça, 2 en adresse, prendre de la force, toujours plus. Avec de vraies compétences. Avant de valider, hein. Avant de valider, une aura qui donne plus 4 encore. Empoisonner et enflammer, ça c'est bien. On va prendre le non-empoisonnement, ça va. Les points se font automatiquement, j'avoue que j'ai la flemme de me prendre la tête. Donc ils ont mis des trucs qui sont cool, mais il n'y a pas grand chose. Oh, clairement, je vous avoue que 158, ça peut être pas mal. Ah, ça c'est... Ouais. Pareil, ça je l'utilise jamais, donc ça m'intéresse pas. Bon, il répond la bien. Pas fou. Malus de production cumulable. On augmente notre mouvement, on va prendre l'âge du Randil. De toute façon, c'est l'âge du Randil et ça se prend tous les jours. 60 en endurance. Âge... 5 en parade, 2 en protection. On va prendre ça. Hein. Bœuf de ouf. C'est du bœuf de ouf. Elle, on a pris le poison la dernière fois. La vigilance, on l'utilise jamais. Adjacente à ennemi, elle gagne plus 5 courage bof. Ça, c'est pas mal. À moins de 50. Ouh. C'est propre et, ça, et les 3 sont bien. L'elfe se fait rarement toucher, mais elle a 100% de conduit, c'est rare quand même. On va prendre les pourcentages de coups critiques, c'est toujours pas mal. Et bien sûr, on va prendre le tir transperçant en ligne droite. En vrai, ça c'est... S'ils sont éclatés, ça peut être parfait. Une charge du géant vert, ça peut être marrant aussi. L'euro sur la ligne de 6, ça peut être sympa. Le burp empoisonné qui devient un burp sur 3 lignes, bref. Pareil, le burp qui devient un peu plus... Laisse le courage, pof. Je pense que le mieux c'est de partir là-dessus, et limite, soit on augmente les dégâts... Attendez. Log pour une charge puissante. Quoi? En premier à son projet. Ah, c'est il prépare. Ah, il prépare. Ah non, c'est pas fou du coup. C'est pas fou, c'est pas fou. Ça, où est-ce qu'on a... Ignore leur protection. Ça, c'est bien, ça ignore les armures, donc en vrai, c'est pas mal du tout. Les deux sont fortes. En soi. Non, on se prend le burp. Bon. Seul souci, parce que l'ogre est jamais vraiment entouré. Quoique, lui, ils ont l'air chiants. Lui, ils ont l'air chiants de ouf.
En vrai, allez, on prend ça, on s'en fout. Oh, ça peut être mort. Hein. Tu au moins. Ah, ça, c'est fort, ça. Oh, 60 HP à chaque fois, ça m'a carré, ça me carry d'eau. Ça, la régène est très très forte. L'ogre souvent finit les ennemis, ça qui plutôt pas mal. L'attaque surpuissante qu'on prépare, on l'a pas trop utilisée pour l'instant. Pas grand chose d'intérêt. Une pause musclée, on s'en fout. Ah, mais ça faut que l'ennemi soit renversé ou. Ouais. Moi je prendrais plus ça pour choper des attaques en zone en vrai. Alors qu'on sent. À chaque tour. Oh, mon chat. Deux attaques d'opportunité. Deux attaques d'opportunité, c'est-à-dire que. Ah ouais, si le mec se déplace, ils prennent trois attaques, quoi. Oh. Oh, c'est fort. Mais je pense que 10% de dégâts, chaque fois qu'il achève un ennemi, c'est pas mal. J'aurais peut-être dû prendre ça aussi. Ça vaut pas plus. Ça, j'ai une chance de critique. Mais il y a plein de trucs bien chez le barbare, j'aime bien. Son arme de compétence, il est équilibré et tout. Ah, les oiseaux enflammés, on peut en prendre plus, ça peut être pas mal. Sinon, on va se choper la magie serpentine qui prend ses dégâts, quoi. 200, baisse la protection, résistance magique. 3 sont forts. Les rayons en ligne droite ont l'air sympas aussi. Hein. Oh là là, la distance du truc. On va prendre plus d'oiseaux enflammés, je pense. Je Ça va progresse être pas haut mal. en l'air. Intelligent, plus de courage. Ah ouais. Soit je gagne en esquive, je perds en impact magique. Soit je gagne en impact magique, mais je perds 5 de général. Le buff est trop fort. Et. Ouais. En 10 en précision, c'est beaucoup. Elle a trop de. En fait, c'est du pile ou face la magie. Chiant. Si je prends ça, ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne. Ça et ça, les deux. 15 en précision et je prends plus d'attaque que. Oh, je pensais. On va prendre ça du coup, comme ça on gère. Moi, je vous fais tout. Moi, je reste avec vous. On s'amuse. 3 blessures, c'est pas mal. Ah! Dégâts en zone autour de lui. C'est fort! Oh! Très Allons, fort. encore une pierre à mon On n'a diadème. aucun dégât avec elle. Ça, c'est fort aussi. Très fort. En vrai, Je suis l'aura béni. est quand même Il très très forte prévale sur là-dessus. moi. Et tous les attaques de. Ouais, marque. 4. Pourquoi pas. Soit on se prend ça, soit on se prend le CDD, quoi. Mon courage, c'est la distance physique, ouais. Ça. Après, c'est la distance en plus, donc pas mal. Pas mal. En boss, c'est Je toujours. suis plus efficace, tant mieux. Ouais, faut qu'il ait toute sa vie. Ça, c'est trop La fort. caisse des donjons approuve cette Ça, promotion? c'est trop fort Vraiment? de ouf. Veuillez échanger pour le groupe, c'est parti. Prends Kilumun. J'avais eu des items qui peuvent m'être intéressants. Pour toi, gagne plus de. Nanana. Ok, c'est pas mal. 1,5 de coup critique. Ouais, mais ça, c'est trop fort en soins donnés. Faut pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. C'est pas fou. Il est pas fou. C'est ça en fait le problème, c'est que ce DLC, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas calculé qu'ils allaient faire un DLC aussi long. Et que du coup, Et que du coup, bah tout simplement, les items qu'on avait de base dans le jeu, et bah, ils sont trop forts par rapport à ce qu'ils nous proposent là. J'ai équipé des trucs même pour l'ogre et tout. Pas convaincu, quoi. Pas convaincu du tout. Ok, ils Ah, sont là. tenez, le voilà. Bonjour. C'est donc vous l'architecte en charge de ce donjon? Tiens, Brocoul! Et qui sont ces dégâts de la caisse?
des gros bonnets, apparemment. Ils voulaient vous causer. J'ai essayé de leur rincer la dalle avec un coup de pif pour les mettre à table. Mais c'est du buveur d'eau. Les pires. Eh bien ? Oui, oui, c'est moi. Parfait. Je vous remercie de votre intervention. Il semble que nous ayons été endormis par malveillance et ruse. Ah, ça, c'est... Bon. Mieux vaut ne pas parler du culte de Dlul. Ça va, je suis pas débile. Maudits aventuriers, toujours à courir des donjons. Ils vous ont pris pour des monstres. Je vois. Vous sous-entendez implicitement que la structure fortifiée à schéma défensif complexe est ouverte au collectif exploratoire ayant pour ambition le pillage réglementé. Il a dit pillage. Ouais. Ben, y a de ça, oui. Et malgré l'apparent état d'inachèvement d'une portion substantielle d'Issel Structure, vous assumez l'admission au service opérationnel avec transmission de votre dossier pour la conformité. C'est... Quel enfer. Oui, oui, je suis un grand professionnel de... Quel enfer, il comprend rien. Briques, quoi. En gros... Dans ce cas, signez ici, ici, ici et ici. Deux fois ici et encore ici. Appuyez fort, il y a du papier carbone magique. En gros, imaginez que... Ce n'est pas très prudent. Ça va, c'est de la... Le Ranger ressemble à l'architecte, tout c'est pour ça. Voici votre copie du reçu. Le donjon de Naulbuck est ouvert à l'exploration. Quoi ? Mais non ! Au revoir. Les services de conformité seront là prochainement pour procéder aux vérifications prévues par la caisse des donjons. Quoi ? J'ai fait une boulette ? Attendez ! Il y a la date du jour sur le papier. Et c'est scellé par la caisse des donjons. Parfait. On a ça au moins. Rentrons vite dans le présent. Oh non. On est dans la sauce. Retourne à la CDD. Retourne à la CDD. Donc faut... Ah, attendez, il y a une porte que j'ai pas ouverte. Ici, on a... Ah, c'est pas ouvert. C'est pas possible d'ouvrir. Rip. Et du coup, on a foutu la sauce dans le donjon, c'est ça l'idée. En gros, si vous voulez, le culte de Dlul nous a volé la statuette de Gladolfera, culte de Dlul du présent, parce que nous, on est arrivés dans le passé aussi avec eux. Et voilà, donc on n'avait pas le choix, c'était soit on... faisait cette petite quête, soit on se retrouve en prison. J'ai pas très bien expliqué, hein, je suis désolé. Et du coup, le Ranger, parce qu'il y avait eu les cinématiques, et du coup, le Ranger ressemble à l'architecte. Donc voilà. Le Ranger ressemble à l'architecte, du coup, il prend des décisions d'architecte. Donc ça, je vous dis, on a fait de la jardinerie, etc. C'était marrant. Il y a ici des gilets jaunes qui sont en train de manifester, avec notamment Gilles, barbe jaune. Gilles et barbe jaune. En tout cas, je vous ai entendu. Les fantômes, c'est terminé. Votre risque spectral, truc, là, hop, fini. Hein ? C'est... Je... Du coup, vous dégagez vos miches de l'escalier. Oh là, du calme ! On va tenir une assemblée générale et discuter de la possibilité d'envoyer des camarades pour s'en assurer. Ah, bon. Et après ? Après, on tiendra une autre assemblée générale pour les écouter et décider de l'avenir de la grève. Quel enfer. Cela ne prendra que quelques jours. Quelques jours ? Il faudra qu'on parle aussi du paiement des jours de grève. Nos revendications légitimes de sécurité ont mis du temps à être entendues. Hein, camarade ? Restez polis. C'est la lutte syndicale pour des conditions de travail plus dignes. Je trouvais ça marrant. Un ouvrier ne devrait tomber face à un fantôme menaçant. D'un autre côté, il n'a pas tort. Ah, je dis pas, mais bon, là, faut bosser. Mieux vaut les laisser pour l'instant. Nous avons affaire ailleurs. Ah, du coup, il va falloir qu'on y retourne. Je comprends pas. Je retourne à la CDD. On y retourne. Nom d'un encorbellement. Vous êtes encore là. Ah zut, c'est moi. C'est vraiment perturbant. Je croyais qu'on vous avait fait sortir. Non, mais on avait oublié un truc. Et puis là, on allait justement partir. Tiens, on dirait un échec critique en baratin. Déjà qu'il signe n'importe quel papier de la caisse des donjons. Attendez, de quel papier parlez-vous ? Il a signé les papiers pour ouvrir... Oh non, non, quel enfer. C'est bien, non ? Elle a tout balancé. Tout le groupe qui est siphonné du vocal. Vous avez fait quoi ? Mais de quel droit usurpez-vous ma signature ? Pourquoi il crie le deuxième Ranger ? Ce n'est pas le Ranger, c'est l'architecte. Ah oui, je me souviens, c'est celui qui est fou. L'architecte fou du donjon. Ah oui, c'est le Baltringue qui va mettre la forge au cinquième. Cette fois, c'en est trop. J'en fais une affaire personnelle. Garde, tuez-les tous. Ok, on va fight contre l'architecte et on va finir par être l'architecte. Donc du coup, les phases de combat n'ont pas changé. Oh, pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est comme d'avant. Ça n'a pas changé. Par contre, ce qui peut être intéressant de faire... Enfin, ce que j'ai trouvé dommage, ouais, c'est qu'au niveau des items, ce que je vous disais, il n'y a pas grand-chose. Enfin, quelques petits trucs, mais c'est pas non plus... Non, c'est lui qui joue en premier. Okay.
On va peut-être le ranger ici d'abord. Je pense. Allez, attends. Hop. Plus dans ce sens-là. Plus dans ce sens-là. Le ranger. Bah non, du coup, attendez. Je fous l'ogre ici. Barbare, il aura plus de points de mobi. Je fous le ranger ici. Je fous le heal. Ouais. Là. L'assassin ici. C'est bon. Let's go. Ça suffit, le chantier est dans mon chantier. On va leur mettre... Mais sinon, ouais, non, le jeu est sympa. Après, ça reste du Nullbuck. Ils ont une bonne base de jeu solide à la base. Quelques lags au niveau du son au début. Quelques petits soucis dans des combats. Il y a eu des... Hop, qui étaient full buggés. Je trouvais ça bizarre. Mais c'était marrant. Voilà. Hop. Ouvrier avec moi. Donc on arrive à les faire grouper en fait, ce serait bien. Il fait une promotion éclair pour qu'ils attaquent plus vite. Okay. D'un côté ça me va hein, parce que s'ils se déplacent au moins je vois à peu près où ils sont et après je gère en fonction. Pour le chantier. Ok. On va se faire un petit saut. Soit j'arrive ici, je les éclate. Soit j'arrive ici. Est-ce que le mieux serait pas de l'écouter, d'éclater l'architecte d'abord? Ce serait peut-être mieux. J'ai quand même 3 coups. Pas de dégâts quoi. Vas-y, on va éclater les deux là. 158. Ah 158, c'est mal. Est-ce que si je mets mes... Bah. Si je me rajoute un tour, je peux les tuer tous les deux. Non, je tue pas. On va y aller à Truelle. Raté, bien joué. Vas-y, déplace-toi, s'il te plaît. Non. Oh shit! L'elfe qui a pris tellement cher. Ça dégage. Okay. Vous croyez qu'on sait pas se battre? Ouais, moi ça me va, hein. S'ils sont tous groupés là, c'est parfait. Juste l'elfe porte, faudra qu'elle dégage. Attendez, faut que je tourne la cam. Ok, ça s'est bien passé. j'ai cliqué, j'ai validé sans faire exprès, mais c'est pas grave. En vrai, l'ogre. Ah putain, y'en a là-bas aussi! Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Oh, je les ai pas vus eux! Non, mais attendez, y'en a combien là? Attendez! Y'en a 3 ici, putain! Y'en a 2 derrière, y'en a 3 derrière! Quel enfer! Quel enfer! Ouais, on va se placer là. De toute façon, ils peuvent pas passer là, faut qu'ils fassent le tour, donc ça me bat. Ils peuvent passer là, fait chier. Alors soit je fais ça, soit je fais ça. Ça peut faire un beau rebond. En vrai, hein. Ouais, ça passe. Hein. Numérotez vos dents, ça vous aidera pour après. 84 de zone, ça me va. Même pas mal. 28, ils font pas très mal. Mais du coup, il y a certains combats qui sont plus durs que d'autres, vraiment. J'ai vraiment remarqué ça. Alors que de base, tous les combats étaient plus ou moins équilibrés. Ce qui là va pas forcément être le cas. La chatte sur les critiques par contre, hein, on en parlera, mais... Ouais. Secousse de bourrin qui est pas fou là. Par contre, on peut balancer le nain. On peut balancer là. Hein. Je le balance là, il en tue 2. Oh, les critiques, non. Non. À une saucisse. Rip. Rip. Je me rajoute un tour. Obligatoire.
Ouais. Si je me fous là, les deux sont renversés en fait, donc je m'en fous. Lui il meurt si je fais ça. Lui il joue quand ? Dans longtemps. Lui il meurt si je fais ça. Ah, ça dégage. Ciao. Et c'est un tour. La prêtresse de Euclide. Peut foutre un dégât de zone ici. Elle touche le nord, quoi. C'est chiant. Ou elle peut faire ça aussi. Eux s'ils arrivent par là faut que je puisse les éclater aussi là souci hein. Je peux pas faire comme je veux, on l'éclate, ça dégage, je peux me rajouter un peu. Là, je fais la douche de grêle là mais je l'ai tout. Moi j'ai pas forcément. Soit je fais ça et que j'en tue. J'ai tué. Hein. Pas si mal en vrai. C'est pas si mal. Là c'est le golem qui va faire chier avec les gobelins. Oh, il déplace tellement vite. Ah ouais. Ça c'est chiant. On va s'occuper des gobelins à la fin, je pense. Ah ouais. Casse les coups. La tête. 612 ans. Même pas mal. Je suis énervé. Ah je suis. Ok, très chiant. Dorgnol façon Gurdil, ça devrait suffire à les tuer, je pense. Et l'ogre pour aller là-dessus. Je pense que Dorgnol façon Gurdil suffit largement. Les... Peut-être que l'idée derrière est une bonne idée. Tenter le coup de bouclier. L'étourdissement passera pas en résistance physique. Dans le dos, non, pas ici. Ouais, par contre, passer dans son dos ici, je. Pas y arriver non plus. J'esquive de toute façon, première attaque d'opportunité obligatoire chaque tour. En vrai, ça me va. Normalement, dommage. Pas coup critique, c'est très dommage. Dorgnol façon Gurdil, ça tue. Elle est enflammée de toute façon, donc à son tour elle meurt. Voilà, parfait. Faut qu'on aille là-bas. Aille là-bas, limite on se rajoute un tour avec le barbare, je pense. Le barbare vient tuer eux. Lui en vrai, je pense. Large. Enfin, il le tue, non, mais il peut mettre de gros dégâts. Par coup, là, le plus il a aucune esquive, je pense que je l'éclate. Voilà. Ça passe, je vais faire la moitié de ses HP là. Promotion, ok. Je sais pas si je vous mettrai tous les combats YouTube, en vrai, c'est long. Mais d'un côté, j'avoue que j'aime bien partager ces petits moments avec vous. Monter un peu le son, hein, j'ai l'impression d'être fort. En fait, je pense que c'est pendant les phases de comment ça s'appelle ? Je passe là avec l'Archer. Je fais un tir très longue portée qui est important. Personne.
passe, hein. Je suis à côté. Le flanc en critique en plus, parfait. Tiens. Même pas mal. 32 dégâts ici. L'ogre qui va pouvoir aller chercher. J'ai lui. Argent. Même pas besoin de me faire chier. Bam, terminé. Alors on se heal. La bave de Euclide. À côté. Faites place à une noble personne. Pas tant de dégâts que ça avec ça. On peut buff tout le monde, ça peut être bien. Ah dommage. Là c'est. Si, en vrai c'était pas mal. C'était bon. Je crois qu'ils aiment pas l'électricité. Hein. Pas de. Gadget. On va les faire rouiller. Parfait. 35. Zapuvili. Les Zapuvili, vas-y. Approchez-vous là, les Zapuvili. On vous attend. Les deux Zapuvili, ça devrait aller. Et la magicienne, on va essayer de l'amener en haut. Tac, allez, dégage. Pour son je tuais. Tac. Terminé. Notre ami le ranger qui peut tranquillement. Je tuerai pas ici, on est. Je touche à l'arc. Plus personne à l'arc. Je peux toucher. Vas-y. Ranger il va s'occuper de lui. Poison. Je sais pas si ils sont résistants au poison ou pas. Ils peuvent être empoisonnés, ça va. Tire très long port. Pourtant. Partir là-dessus. Il est pas mort, mais peut-être que le poison le tuera. Pas du tout ici, c'est pas dramatique en soi. Toi, tu peux les bloquer. Hop, celui-ci qui pourra pas bouger. Visez, parfait. Bon, ça m'attaque à distance, hein, donc c'est pas mieux, mais. What? Ah, ça renverse aussi, putain. Ce que je sens chiant, c'est qu'ils sont derrière, mais en soi. Oh, ça devrait aller. Je touche là d'ici. On va aussi prendre petit à petit, mais bon, le combat est gagné, hein. Vous avez compris. Vous avez totalement compris. Non, en mode bourrin. Venant en mode bourrin. Il meurt, hein, je pense, large. Il meurt pas sur ce tour. C'est vrai que ça peut se tuer, quoi. En soi. En soi, est-ce que ça sert à grand chose? Je pense pas. On peut faire ça, regardez. Non. Donc, allez, petit heal pour tout le monde. Allez, amusez-vous. Et le problème, le seul problème que j'ai là. J'aurais bien aimé mettre. Oh non, je me tue sur moi. Trop con. J'ai pas pris le. Allez, on y va maintenant. J'ai pas pris le freeze. Ils attaquent tous à la fin. J'ai pas eu le temps de leur mettre d'assez bons dégâts, je pense. Je vise la gauche ou la droite. Oh, ils font des renversements à l'infini, quoi. Là, faut qu'on focus ça direct. Hein. Trois coups, j'avais pas capté que ça avait trois coups ici. Pourquoi il se blesse?
Oh non, il meurt pas. Il meurt au prochain tour. Ouais. Moins un. Quel débile. Ça arrive encore. Ah ouais. Va falloir qu'on finisse ça. Hein. Petit coup d'épée. Bam, terminé. Adieu. J'esquive. Je prendrais. Oh, mais ça va. Pas dramatique. 102, putain, il manquera 3 HP. Le problème, c'est que là, je suis pas sûr de pouvoir l'utiliser. Là, ça rebondit, c'est sûr. Tu m'as touché les fesses ? Ok. On se rajoute un truc. Quand, là, ça a été. Non, je vais garder mon bonus de tour en plus. Je pense qu'il va juste se poser. À mort ! Là, j'avoue que le lancer de nain est. Le lancer de nain est dans un tour. Pas un truc pour me buff là. Non, c'est pas énorme. Je pense qu'on se fout là. On setup. En fin de tour. Pareil pour le nain. On se fout là. Là, setup. Eux deux, faut qu'ils meurent du barbare et des autres là. Putain, oui d'accord, il y a un healer et tout. Oh. Quel enfer. Ah mais ils font zéro dégâts. Bon, ça c'est mort hein, du coup. Voilà. Lui meurt du poison et je pense que je vais aller chercher tranquillement les deux là, soit avec mes spells, avec l'archère, avec je crois qu'en vrai les spells auraient été bien. Ça va tomber. Est-ce que là j'ai une opportunité pour l'attaquer? Je suis là normalement, je l'attaque. Après, en vrai, je viens là et je fais une attaque de zone. Hein. Peut-être mieux. Je fais ça en vrai. Hein. Pas les couilles. Tellement mal. Ah, c'est tellement plus worse. C'était tellement plus worse. Allez. Je me fous là. Fous la poudre empoisonnante. Sur les deux du fond, parce que de toute façon devant il pourra pas prendre, je pense. Ça meurt, je pense. Voilà, si vous voulez. C'est ça qu'il y en a là, j'ai pas vu. Enfin, on va tuer celui-ci d'abord. Il va résister, mais au moins je mets des dégâts. Les deux résistent, ok. Par contre, si c'est le combat final, je suis un peu triste. Je l'ai. Je serais chaud d'aller tuer, mais j'aurais jamais la portée là. Si j'aurais jamais la portée de tuer les autres. Je sais que je me positionne là. Et que je fasse. J'essaie de le tuer. Ah merde, y'a barbare, je suis trop con. J'aurais dû me positionner autrement. Ça.
Oh shit, 2 HP. On va régler ça comme des pros. En vrai, ça devrait passer, hein, mais... On va l'attaque d'opportunité. Je vise l'œil gauche ou l'oreille droite. Ok. Échec critique, bien joué. Ha, on sort. L'ogre vidant. Bien là, tu fais un lancer de nain, genre là. En vrai. Là, ça, c'est de la merde. Alors que là, en vrai, pourquoi pas. Lui, 2 HP, ça fout le seum, quoi. Ok. Lui est presque mort. Oh, le surcharge. Oh, tu es direct. Que s'est-il passé? Allons-y. Surcharge de Euclid, je touche le barbare, mais c'est pas grave. Oh bah, ouais, non, faut que je le tue maintenant. Désolé. Je touche tout le monde, mais... Euclid a donné, Euclid a repris. Et vous prendrez moins de dégâts. Allez, ça stun. Ça stun, on se motive. Ça va saigner. En soi, on peut lui mettre un petit coup de hop là, petit dégât de à l'arc. Bam, 88, plaisir. Fin du tour. Les trois attaques seraient peut-être mieux. Même pas mal. Par contre, bonne gueule. Terminé. Les picots. Hein. Oh. Là. Il reste que l'autre. Je les ai éclatés. Je les ai mis fumés. Et d'une force. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mais frérot. Frérot, t'es mort en fait. Tu sais pas. Mais... il en reste deux. Il reste un gobelin et la meuf là. Ouais. Les os, hein. C'est ciao. Fin du tour. L'ogre. Tac. C'est ciao. Hop. Ça le tue, je crois. Oh, ça le tue pas. Ok. Ouais. 117, très bien. Bon, prochain tour, mais. Allez, ça dégage. 137. Tu croyais quoi, qu'un nain s'est pas bougé? Retarder le tour. Tac, tac, terminé. Même pas besoin de m'embêter. Bien, ouais, j'allais dire, j'espère que c'est pas le dernier combat, mais en fait, non, on a pris un niveau, quoi. J'ai pas abusé. Amulette de l'employé du mois. Bas de vin, ok. Épée d'architecturation. Trop marrant. On prend tout, on verra. Ah oui, ils nous ont aussi niqué au niveau de notre or. On avait 60 000 gold. Ils nous ont filé 6 000, quoi. Se disant, c'était du nouveau gold. C'est pas la même valeur en or, quoi. Solidarité. Ça va. Dans un sens, moi aussi, je suis mort. J'en fais pas tout un plat. Regardez, on dirait vraiment moi. Enfin, je suis plus beau, en vrai. C'est pas le moment de plaisanter. Nous allons avoir de gros ennuis. Oui, c'est pas faux. Bon, un truc intelligent, vite. Ah, je sais, l'ogre. Je ne pensais pas dire ça, mais... oui, c'est le moyen le plus rapide de... Oh, ils vont faire un... ils vont faire un burrito. C'est dégueulasse. Des fous. Ce sont des fous. Et je suis leur complice.
Ah bah la bobine. Tu m'étonnes. Ok. Donc en gros l'idée là c'est de se barrer le plus loin possible. Oui non parce qu'il reste encore des choses à faire. Donc faut qu'on aille là. On est dans le jardin. Let's go. On peut passer par là. Attendez, niveau inventaire, on a récupéré des items intéressants ou pas? Donc lui, on a dit que c'était pas fou. L'épée d'architecture actuelle, c'est pour lui. Oui, 70, pas mal. Bah, elle est bien mieux. Excellent. Il n'y en a pas les... Si, on a pas la... mon adresse, juste. Mais en soi, ça vaut le coup. Et le casque 3 de 3... Pas mieux aussi. Au moins, avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Oh, stylé. Le peigne de chef gourmet, le baudrier machin. Les bottes, c'est pour l'elfe et c'est pour lui. Okay. Une partie de mon équipement appartient à la caisse des donjons. 3, 2, 2, 1, les 5. Trinquement, protection. Ouais. Très bien, bel objet. J'ai des noisettes pour les écureuils. Oh, tellement mieux. C'est beau, je suis bien contente. T'es nul à chier. Ok, let's go. Attendez, je crois que je me suis planté. Sur du granit. Non, c'est bon. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. On va rester ici. Sur une nouvelle save. Puis l'architecte. Voilà. Alors, que je mette la carte à jour. Ok, let's go. On a pas le time. On avance l'histoire. Ok, let's go. Et du coup, on va y revenir, quoi. Clairement, c'est sûr et certain. Parce qu'il y a le premier étage qu'on n'a pas fait, malgré les revendications syndicales et tout. Il manque des éléments. En gros, ça va être la base, j'imagine. En gros, là, c'était l'acte 1. Je me dis, il y a genre 2-3 actes, peut-être 5. Comme une pièce de théâtre. Attendez, je sens un pic d'énergie. Tout le monde est bien passé? Je crois qu'on a tout le monde? Oui, je suis là, hein? Même si tout le monde s'en moque. Oh le nom, si. Ah, non. What? Ah, les cultistes de lui. C'est lui, le petit saligo qui a la statuette. Courez ma fuite par le grand soleil. C'est du vicaire. Oli. Vicaire du Polochon. Yeah. Putain, j'aurais dû une wheel. Rip. La lipince. Oh là 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 là, ils sont tellement des mages, des bras, des anesthésistes, des paladins. Ah, le combat de l'infini. La flemme, rien d'y penser. Ouais. Attendez, faut que je réfléchisse à ce qu'on fait. Faut que le nain et l'ogre soient à côté, c'est sûr. Mais peut-être plus au milieu, je pense. On essaye de faire des groupes, en fait, ça va être le but. Voilà, c'est le paladin, aura de portée 100. Ah, elle fatigue rien qu'en regardant. Ouais. Pareil pour elle. Et qu'il y a deux paladins, il faut que je m'en débarrasse. Trois paladins, il faut que je m'en débarrasse. Quel enfer. Quatre paladins. Oh mon dieu. Eh mon dieu, bah on va pas se foutre dans les zones des paladins, mais le problème c'est qu'on y est. Hein. Et du coup, je comprends pas, c'est quand on rentre dans sa zone ou quand on est au cac ou. Faut pas qu'on finisse au cac en fait, c'est ça le problème. Quel enfer, on est à ma sauce. Et j'ai envie de dire fuck. Hop là. On va couvrir ici. Il est juste ici. Le ranger devant. Je suis dans la zone, fait chier. Voilà. Et la magicienne en backup là. On va essayer de fight au milieu en soi. Si je les groupe tous, ça devrait aller, je pense. On puisse sauter là.
Une aura qui applique des bonus des malus dans une zone autour de les auras vertes applique des bonus à des auras rouges. On s'est regardé les dagues. Oui, mais ça, j'ai vu. Les paladins, ça va être de la merde. Hop, esquivez. J'aurais bien dormi encore un peu. Ah, ok. Alors, attendez, si je viens là, je me fais un bon gros saut là. Où je viens le tuer lui. Le truc c'est si je viens là. Non, je le rentre. Mais ils ont tellement de vie, c'est abusé. Le problème c'est que je vais prendre tellement de dégâts vite. Je sens. Non, faut pas qu'on reste là, hein, c'est sûr et certain. Parce que là on a. Non, on n'aura pas à l'arc, on pourra toucher personne ici. Ça peut se tenter. Étourdi. On peut virer là. De la sieste est proche. Oh, oh putain. Agent X. Agent X, agent X. Viens là d'abord. Je peux tuer celui-ci. Oh. Dégage, on a déjà un moment. C'est pas mal. Ah mais je les aurai jamais. Pour dire. On va les endormir pour de bon. Je pense que le mieux c'est qu'il aille là. Log va venir de toute façon. Et Log va faire un genre de. Un séisme. Aïe! À court terme. Berserker, ok. Bon, faut que Log revienne là, qu'il fasse un séisme sur les deux là. Putain, mais ils ont 600 HP. Yeah. Niveau abus, on est bien là. Wouah! Je veux pas dire que ça pue, mais ça pue. Hein. En vrai, là, s'ils sont bénis, c'est bien. Dans le sens où, là, s'ils arrivent à se regrouper tous au même endroit, j'amène la magicienne. Oh, fait chier l'endormi. Fait chier. Quoi qu'en soit, c'est pas grave. Il faut que je ramène la magicienne ici et que. Chrome. Il est magicienne là et que je l'heal. Ça va être complet. Voilà la portée. Oui, j'ai une portée de bâtard. En vrai, on peut se faire un. Je peux me mettre là et me faire un tir de fist up. Tac. Regardez les belles couleurs. 100 de dégâts, c'est déjà pas mal. Je fous ici. Je fais un effet séisme. Oh. Ça étourdit pas, mais c'est déjà pas mal. Zone de dégâts autour de l'ogre. On va toucher le nain. On va les endormir pour de bon. On va toucher le nain aussi. En vrai, est-ce que le mieux c'est pas d'aller. Je peux aller où? Je peux jusqu'à là. Ah, mais je peux heal personne. Trop loin. Le problème, c'est que si je me bloque avec elle, je suis dans la sauce. Total. Réfléchis. Hein. Le nain va se réveiller du coup s'il prend des dégâts. Carducosio. Oui, il faut cibler la bonne personne. Ah, mais c'est bien. Le nain se réveille. Parfait. Casse. Yes.
On se casse. Je focus les deux là vraiment. J'arrive à les tuer. Hein. À la fresque, Yalmar. Oh. Tiens, les bastons. Oh putain. Les dégâts. Oh, dans ta gueule. Chaud. Hein. Je tue lui, oui. Ah, mais lui. Lui. S'il te plaît, tue-le. Le. Putain, il le tue pas. Fin du tour, hein, c'est terminé. Plus baston. Faire ça. Serrez les rangs. Tac. On va se positionner par là. Torgnole façon Gurdil, il va falloir qu'on... Plein de Dulul, merde, fais chier. Il va falloir qu'on puisse... Quatre. Le problème que je vais avoir, c'est... Dégage. Le souci que je vais avoir, c'est comment est-ce que je vais heal l'autre, quoi. Là, je peux me barrer, mais... Là, il est mort, là. Il est à l'autre bout de la terre, je peux pas l'heal. J'ai rien pour aller l'île. Si, alors je fais le tour là en deux tours. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Ah, c'est cultiste. Très chaud. Ah, attendez. Je peux me déplacer là. Je mettrai le meilleur dégât. Voilà. Ah non, mais j'ai qu'un point d'action si je fais ça. Je suis trop con. Ok. L'elfe peut aller le soigner. Elle risque de mourir. C'est juste ça. Tu m'attraperas pas, nananer. Ok. Où est-ce qu'on tape? Là, je le tue, mais je vais garder le lancer de nain, je pense. Là, c'est bon. Non, il va barrer. Toto. Pas de critique. Bien joué à lui. Bien joué, j'ai les subs. Dommage. Je peux rien faire. Je vais s'en lancer de nain après.
Attendez. Jamais il lui. J'ai un truc. Il nous. Entre il nous, on va. L'essentiel, c'est faire ça. Il au maximum, où est-ce qu'on peut il? Le reste, on va voir. Il attaque quand? C'est qui attaque après? C'est vers lui. Ça vaut le coup de le tuer. Ça vaut large le coup de le tuer. Ça vaut le coup de se replacer là. Non. Je vais placer la large. Comme ça. Toi, prends ta potion. Ah, j'avais soif. Le nom. Oh, 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 ça, Mauviette. Même pas mal. Très chiant. Même pas parce qu'ils sont tous à côté. On peut se faire ça en vrai. J'enverse pas. Oh, Jenny Delph. Pardon. Au cac. Deux personnes. Ah oui, du coup, ça utilise deux. Je peux pas me déplacer quoi. L'enfer. Le lancer de nain, on va le foutre là. Bah en vrai, je relance le nain là. Parade partielle, parfait. Ah, parade complète, parfait. Non, je lance le nain là, je suis trop con. Ah oui, groupez-vous là, s'il vous plaît. Mais parfait. Mais dors frère. Dors, ça me va totalement. Esquive. Tranquille. C'est une savonnette. Ah, tu m'étonnes. Par contre, s'ils en rajoutent, dans une de ces sauces. Parfait. La dégâts magiques, par contre, je suis moyen chaud. Je suis pas sûr de pouvoir lancer le nain aussi loin. Quoi. Aïe, 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 il manque tellement peu. Le mieux, c'est de lancer là. En gros, le lancer là où il est. Et je peux cancel peut-être. Je sais pas. A voir. Mais en gros, si on fait un dégât de zone... Peut-être mieux que je me mette là, en fait. Peut-être mieux. Si la magicienne veut faire un truc de zone, ça passe. Oh non! C'est pas... Non, je peux tuer. Elle meurt, c'est bon, je peux rien faire d'autre. Je peux rien faire d'autre pour le moment, je suis deg.
Allez, ça tue. Parfait. Ça tue. On se rapproche. Lui, on le réveille pas pour l'instant. On va tuer ces trois-là. Faut pas qu'elle meure toute seule, par contre. Là, j'avoue qu'elle est... une d'assaut, celle aussi. Et d'un côté... 185. Ouais, frérot. Frérot, tu m'as mis... Ouais, je viens là. Je me reprends une pote. Je me reprends une pote et là, on va essayer de se faire... pas derrière. Je tente ça, je mets des dégâts ou je m'en fous. Me voilà. Tac. Serre les dents. Parfait. Barbare va être utile maintenant. Le problème c'est que j'ai tellement pas de... C'est que je veux lock à sa place, peut-être elle. En... Parfait. Allez, Torniole façon Gurdil. 15 de dégâts, c'est parfait. J'aimerais virer de cette zone en gros. Faut plus les deux là. Parade. C'est bon, là on a retourné le fight. C'était compliqué au début, mais on a retourné le fight. Putain, les fights sont... Faut réfléchir. Hein. Je suis pas l'elfe. Je vais t'enculer si tu tues l'elfe. 4 HP. Ok. C'est lui qui va tuer. Non, lui il est là, ça va. Bon, j'aime la tuer. Bon, tu pourras mettre des dégâts moi de dos. Putain, je suis trop con, j'ai pas pensé à ça. Oh là là. Les dégâts. Renversé, parfait. Bon. J'ai plus de heal là, ouais, d'accord. Ouais. Non. Oui, parfait. Déjà ça. Mieux que rien. C'est putain de mieux que rien. Et j'ai bien fait de virer avec le nord, comme ça je leur mets. Bon gros stun dans leur bouche. Touche en plus, c'est parfait ça. Là, vous vous démerdez, vous les finissez là tous les deux. Bon, elle meurt. Ah quoique. Il est trop con. Ça me va. En fait, vu qu'il dort, il va pas l'envoyer. Alors. Vu que vous êtes mignon. Pas de truc. Debout, par Chrome. Ah, ça va mieux. Allez, go. Allez, c'est reparti. Je peux passer à côté d'elle. Tac. Terminé. Réveille-toi, s'il te plaît, l'elfe. Allez, l'elfe, debout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça tue l'elfe ou pas? Ça tue l'elfe. Bien joué. Très bien joué. Putain. La chatte, mais bien joué. C'était chaud, mais c'est passé. Bah du coup, en vrai, c'est pas de dos. Si je viens là, c'est de dos. Hein. Allez, vas-y. Prends ça.
Prends ça, s'il te plaît. Terminé. Tac. Plus de lancer de nain, mais le nain pour aller directement chercher ça. Enfin, le bloc pour aller directement chercher ça, je pense. Et dégage! Tue-moi ça, parfait. Mets-toi couvert peut-être en vrai. Là, t'as le healer qui peut venir après. Le heal, tranquille. Nice! Putain, mais en mode tempête de Xor là. Ça va être compliqué. Oh non, mais je me dodo là. Moi, je... Allez, frérot. Pas d'eau dans ce mode. Ouais, ça dégage. Le qui finit tout le monde, qui se hit tout le temps, c'est un good. Un good ultime. Alors toi, tu bougeras plus. Je crois que j'ai un truc. J'ai rien pour la heal. J'ai rien pour te heal, meuf. Genre en fait je t'ai ramené là mais j'ai rien pour te heal. T'abusé. Dans ma zone de foi ou pas? Ouais. Super. Super cool. Attendez. J'ai un truc pour cet elfe. Voilà. Enfin, qui sera quelque chose. Viens là toi. Ah, c'est bon, il en reste 3, il y en a un qui est endormi. Deux autres en sont. Heal toi. Voilà. Tout se positionner les tanks là autour de lui. On va le finir. Heal. Mais là. Hop. Hop. Oh non. Si j'ai pas de chat. Étonne. Esquive. Toujours la première attaque d'opportunité qui est esquivée. Allez, ça dégage. Magnifique. Oh, je laisse dormir, moi ça me va. Allez, on heal. Ah, mon but c'est de heal tout le monde avant de... que l'autre il se réveille. Il va jamais se réveiller, c'est parfait ça. On aille réveiller l'autre aussi d'ailleurs. Ah putain. On aille réveiller les deux zouaves là. Lui et lui. Parfait. Je donne ton or à la baston. Dégage! Tu touches pas à mon or! Je bouge, donne ton or à l'elfe, trop marrant. Allez, on y va! Oh okay. Let's go, on lâche pas, on va rester au cac de lui. On va aller chercher lui avec le barbare en soi. Je vois qu'en vrai, l'elfe... L'elfe peut pas le one-shot. Presque. Il y a un petit critique là. Terminé. Terminé. Réveille-moi l'ogre. C'est tout, ce sera pas grand chose. C'est l'heure du repas. Bourdi, même pas. 56.
ça qu'il commence à tanker, hein. Pas le ranger. J'ai plus grand chose. Passe. Ouais. Ça va être long parce que. Ah les dégâts qu'elle fait, ok. D'accord. Excusez-moi, j'ai douté de ses dégâts à un moment, mais en fait non ça va. Deux trois trucs de dégâts, elle tabasse hein. Pas pour rigoler. Prends du tour. Allez, please. Laissez-moi finir. Est-ce que je heal les gens ou je m'en fous? Non, je m'en fous en vrai. Je pense que je m'en fous. Parfait. Stun. Là, par contre, je peux même me mettre tout en pack là. Et ici au max de heal. Avec Euclid. Ouais, attendez. Bard. En vrai, hein, même si je le heal lui, on s'en fout. Je vois qu'elle a l'île de zone. Si elle l'a pas, je suis dégain. Elle l'a pas. C'est là. Parfait. Euclid soigne même ceux qui l'offensent. Oh, marrant. Par contre, est-ce que tu peux avancer? Merci. Ma souris, vraiment, des fois, elle décide de ne pas réagir. La sanguinité fait des ravages dans les cervelles des nobles. Voilà. Allez, petit auto. Auto terminé. Ça. Parfait. Pouette, 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 pouette. Magnifique. Anneau de l'anti-lose. Les jeux de bref, on va être en échec. Les menées de manque de bol. On s'est échec critique. Moins 3. Le gros dodo. Dans la cible. Arc vraiment très long, putain. J'ai pas assez. Pas assez de pression pour soigner tout le monde. Ah, j'ai pas assez de potions. La bière, c'est meilleur. Logie de Dulul, tome 1 sur 3. Pas parfait. Ça fait combien de temps YouTube? Oh, le 1h13. Ah, je vais pas faire beaucoup plus long parce que à mettre en ligne c'est l'enfer. Pas un garde de la caisse des donjons qui réplique. Je crois que le prêtre de Dlul a encore filé. Courons lui après alors. Ah. Il se passe quoi ici? Nous étions en séminaire de cohésion d'équipe avec des consultants qui nous coûtent une fortune et on aura dit qu'on égorgeait des trolls. Vite, le curé de Dlul va se tirer avec ma statuette. Même que quand j'ai dormi, j'ai froissé ma jupe. Les écoutez pas, c'est moi le chef, moi. Attendez, je peux tout expliquer. On a signé les papiers pour ouvrir le donjon. Et on a tué le type qui ressemblait au ranger. Ouais, l'architecte. Même que l'ogre a bouffé son corps. Quel enfer. Mais surtout, on m'a piqué mon butin. On a trouvé une sacoche aussi. Et on a parlé au tavernier. Je suis sans voix. Je vais essayer de vous faire un rapport aussi détaillé que possible. 30 minutes. Et deux aspirines plus tard. Mais c'est une catastrophe! Un fiasco! Vous êtes les plus gros boulets de l'histoire de la Terre de Fang! Un constat partagé par un certain nombre d'observateurs attentifs. Attends, totalement d'accord. Nous avons quand même rempli la mission. Nous avons compris que le culte de Dlul du présent est peut-être impliqué, notamment dans la disparition de nos équipes. Bon, je vais essayer de me calmer. Tout ça est bien étrange. Je ne vois pas ce que le culte de Dlul vient faire dans cette histoire. Je vais envoyer des patrouilles chercher ce prêtre. Et ma statuette! Et nous avons ce papier daté! Je vais le donner aux mages caladiens qui réfléchissent à la perturbation temporelle. Cela va les aider. Et dans l'intervalle... On pourrait faire une petite sieste? Dans un cachot? Tentant, en effet. Non. Vous allez repartir là-bas. Quoi? Si le donjon est ouvert alors qu'il est inachevé, cela pourrait entraîner sa ruine et détruire irrémédiablement la ligne temporelle. Il faut que le ranger assume le rôle de l'architecte. T'étais sûr? Quoi? Mais pourquoi moi? Et puis j'y connais rien, moi, en architecture. Je sais rempailler des chaises, pas construire des donjons.
Votre ressemblance avec le vrai architecte vous désigne pour cette mission. Essayez de rendre ce donjon opérationnel. Ou demandez à la caisse des donjons de l'époque un sursis pour adaptation. J'imagine qu'on peut essayer. Le donjon semblait presque terminé. Il ne doit manquer que quelques pièges et 2 ou 3 monstres. Quant à moi, je vais lancer une enquête dans le présent pour savoir ce que trame le culte de Dlul. Le département des prophéties a sans doute quelque chose à nous apprendre. Ok, et bien on y retourne. Bien au-delà de la stupidité, c'est inouï. Personne n'a dit que c'était facile de se libérer de la caisse des donjons, agent X. Allez, et ne me décevez plus. Bien joué. On y retourne au donjon. Mais ce sera la prochaine fois, YouTube. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner pendant que je déverrouille le succès. Service après-vente gratuit. Et on se retrouve dans l'épisode 4. L'épisode 5 et on verra ce que nous réserve la suite. Des bisous, prenez soin de vous. Et à tout de suite pour de nos aventures. Attendez, peut-être cinématique aussi avant. Aussi. Attendez. Chapitre 12e. Imposture et truelle. Après avoir de nouveau traversé le portail temporel, le groupe est de retour dans le chantier de construction. Et bon, jusqu'au chapitre 15. Pour faire du donjon de Nullbuck, une forteresse digne des meilleurs aventuriers. Oui, enfin, on va faire le minimum pour que ça tourne. Une porte, un monstre, un trésor, et ça ira bien. Je doute que la caisse des donjons s'en satisfasse. Des années à leur contact m'ont appris que la simplicité n'est jamais une option. Peut-être qu'on tombera sur des types sympas, voire même laxistes. N'oubliez pas que nous sommes environ 1000 ans dans le passé, dans une époque bien plus épique. N'espérez pas vous en sortir avec 3 gobelins et 2 poteries. Bon, et sinon, par quoi on commence? Il faut faire un état des lieux, récupérer les critères de la caisse des donjons et évaluer l'écart entre les deux. On pourrait commencer par mettre des jolis rideaux partout. Bonne idée! Si on en met un sur ta tronche, on la verra plus. Et toi, t'es caché par ta barbe? Mais t'es super moche quand même, hein? Faites excuse, mais l'un de vous est-il l'architecte? Faut voir, ça rapporte quoi? De toute évidence, c'est un agent vérificateur de la caisse. Je suis Albéric Chalandon du Trémois de la Pleuvre. Insupportable. Pourquoi il a 4 noms, lui? Tu sais compter jusqu'à 4, toi, maintenant? Plaît-il? Qui sont ces gens? Rien, c'est le personnel du donjon. Je suis l'architecte en charge de... Enfin, des trucs de maçonnerie et de l'aménagement, tout ça. Intéressant. Je note. Pratique un discours erratique et confus. Oh, pourquoi pas? Cela peut amener les aventuriers à ne pas prendre le donjon au sérieux. Attention à ce que vous dites. Comme vous vous en doutez, je suis l'inspecteur de la conformité envoyé par la caisse pour m'assurer du bon fonctionnement du donjon de Nullbuck. Ah, super! Et vous appréciez ce que vous avez vu, monsieur... Canasson du Beffroi de la Pieuvre? Chalandon du Trémois de la Pleuvre. Mais vous pouvez m'appeler monsieur l'inspecteur. Non. Pour répondre à votre question, je trouve ce donjon très insuffisant. Ah, très? Très. Pour l'instant, je lui donnerai une note de... de 2 sur 20. Ah, alors on va faire un 20 sur 20. Là, ils m'ont mis sur un jeu un peu de collecte. Définitive avec saisie conservatoire par la caisse. Voici une mise en demeure accompagnée d'une liste de non-conformités à régler au plus vite. Ah ben c'est... D'accord, on va... Les non-conformités... Il faut le taper? Il nous a menacés? Mais non, il nous donne des papiers. C'est pour nous inviter à une fête? Il y aura des ballons? Oh, et des petits animaux en pâte d'amande? Quel enfer. Le personnel pratique une logorée absurde sans doute destinée à rendre fous les aventuriers de passage. C'est plutôt original. On ne va pas s'en sortir. Nous allons déférer au commandement immédiatement. C'est heureux. Je serai dans le débit de boissons à l'étage si vous avez des questions. Bon courage, je pense que vous en aurez besoin. Parfait, merci. Pas de soucis. On va tout faire tout bien. Ah putain, quel enfer. Eh ben, on est parti, hein. Galère, comment on va s'en sortir? C'est écrit tout petit, il y en a des pages et des pages. Donnez, j'ai l'habitude. Alors voyons. Inadéquation des flux opératoires mobiliers de la force défensive, en lien avec une obstruction des processus de stockage. Ça va pas être possible, là! Je crois que tout le monde aimerait être dispensé de charabia administratif. Oui. D'ailleurs, est-ce que j'ai rendu ma déclaration d'impôt? Il y a une pénurie de matériel pour la garde liée à un problème dans l'entrepôt de stockage.
Facile, on peut porter quelques caisses. Et sinon ? Je résume, une partie du chantier est à l'arrêt. L'aménagement des niveaux inférieurs est incomplet. Les niveaux inférieurs ? C'est dans mes cordes. Bien entendu, je demanderai une prime supplémentaire. La taverne du donjon n'est pas approvisionnée en vin par la cave. Hélas, sans bon vin pour alanguir les corps et réjouir les esprits, il est à craindre que les fêtes soient moins joviales, quoique sans doute plus courtoises. Et puis le vin est bon pour les malades, par Euclide. Les pièges ne sont pas installés. Voilà bien une réalité qu'il ne faudrait pas corriger. Franchement, qui a besoin de pièges ? Le mur nord est fissuré. Les humains sont infoutus de monter des murs. Il faut des nains pour ça. Eh ben, c'est encore long. Ah, il ne fallait pas signer n'importe quoi. Je me demande si je préfère pas quand tu boudes. Le reste est plus classique. Les trésors proposés par le donjon sont peu attrayants. Ils sont très bien, les trésors de ce donjon. Tu veux dire ceux qu'on a déjà pillés tout à l'heure ? Ah oui, je vois le problème. On pourrait remettre en place ce qu'on a pris. Ta ta ta, le butin, c'est le butin. Et enfin, il dit que la décoration est pauvre et manque de cohérence. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il suggère d'adopter une thématique claire et unique. La décoration ? Chic ! Je le savais ! On va pouvoir mettre des rideaux et des tentures partout ! Ah là là, tu es vraiment un stéréotype de genre, ma pauvre ! C'est quoi un spéléopitre ? Mais putain, cet inspecteur ! On n'arrivera jamais à faire tout ça ! Nous n'avons guère le choix. Il pourrait d'ores et déjà fermer le donjon, mais il a aussi noté des approches innovantes. Apparemment, il pense que vous êtes... Des héros ? Des génies ? Soit complètement fou et bon à enfermer, soit tout à fait remarquable et novateur. Il hésite encore et souhaite vous observer. C'est une chance. Je ne suis pas sûr de bien le prendre. Bon, au boulot. Comme c'est moi l'architecte, c'est moi le chef. Eh ben, on n'est pas dans la sauce. Après toutes les non-conformités. Les amis, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Malicus, prenez soin de vous. Abonnez-vous. Ciao, ciao.